Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est nickdetr.fr et aujourd'hui je viens vous faire un peu le télé-shopping de l'Oculus Quest. Non, plus sérieusement, l'objectif n'est bien sûr pas d'aller vous vendre directement des produits, mais plutôt de vous conseiller, vous qui avez peut-être acheté, commandé un Oculus Quest, qui l'attendait ou alors même qui l'avait déjà reçu. En fait, de ma propre expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petits accessoires bien pratiques pour l'Oculus Quest, voire même certains que je jugerais indispensables. Allez, je vais commencer tout de suite par l'accessoire justement qui pour moi est indispensable, c'est celui-là. Ça c'est quoi? C'est une power bank. En fait, c'est une batterie rechargeable portative qui va vous permettre de venir brancher dès que votre Oculus Quest est déchargé, votre Oculus Quest sur le port USB de la batterie et ainsi de le recharger. Vous pouvez même jouer pendant la recharge et pour tout vous dire, en fait, depuis que je l'ai chargé une fois, je l'ai encore jamais déchargé, mais en gros, il y a 4 points de batterie sur la mienne qui est un modèle 26 800 mAh et j'en ai déchargé que 2 en fait en 3 charges. Donc par un petit calcul arithmétique, vous comprendrez qu'on peut faire au moins 3, 4, 5 charges peut-être de l'Oculus Quest avec une simple décharge de cette batterie. Donc autant vous dire que quand on sait qu'une charge Oculus Quest ça dure entre 2h et 3h en fonction de l'utilisation, vous la rechargez une nuit, vous pouvez utiliser votre Oculus Quest avec tout le lendemain. Voilà, et le côté très pratique, c'est que du coup, on peut même jouer en étant branché. En fait, il va se recharger pendant le jeu. Et ça, c'est franchement cool. Si vous en avez une grosse comme moi, une poche, eh ben, vous pourrez même jouer déconnecté du secteur, voilà, en toute autonomie. Et pour aller au bout du bout et éviter de manquer aussi de batterie dans les manettes, en fait, je vous conseille de vous prendre un petit chargeur USB de piles rechargeables avec un petit lot de piles rechargeables. Et comme ça, vous pouvez vous la brancher sur votre powerbank et vous êtes sûr, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, après un petit temps de charge, de pouvoir faire votre partie d'Oculus Quest. Allez, maintenant, je m'adresse à tous ceux qui vont streamer le contenu vidéo de leur Oculus Quest sur un écran de télé ou sur un écran d'ordinateur. D'ailleurs, j'ai fait un super tuto pour ça. Leur accessoire indispensable sera le Chromecast. Voilà. Petit port HDMI au bout, on branche ça sur sa télé, on le connecte en Wi-Fi et on peut streamer le casque sur l'écran de télévision, d'ordinateur, bref, sur l'écran qui a un port HDMI en entrée. Mais vous avez peut-être vu dans ma vidéo de cast que si on veut la meilleure qualité d'image, il faut streamer directement le flux vidéo par le Wi-Fi et donc dans ce cas-là, on n'a pas l'audio. Et donc pour pouvoir streamer le son, je vous conseille de vous équiper d'un petit émetteur récepteur Bluetooth en fait que vous allez brancher sur le port jack de votre casque. Sur l'autre, vous pourrez mettre votre casque à vous. Et donc, il va permettre d'envoyer le son soit sur une télé, soit sur un ampli. Bref, sur ce que vous voulez. Sachant que si vous avez un récepteur de l'autre côté, vous pourrez même enregistrer le son sur un PC. Et ça va répondre aussi à tous ceux qui veulent jouer à leur Oculus Quest avec un casque sans fil Bluetooth. Voilà, ce petit émetteur va vous permettre de transmettre par Bluetooth le son sur votre casque sans fil. Moi d'ailleurs perso je suis vraiment pas fan de l'audio des sangles de l'Oculus Quest, donc du coup j'utilise mon propre casque audio. C'est un Sony MDR qui est un casque sans fil qui nécessite une connexion sans fil à une base et donc j'ai acheté l'émetteur plus le récepteur pour pouvoir mettre le récepteur sur la base. Alors attention par contre, si vous transmettez votre son à un casque sans fil en Bluetooth, vous aurez des petites latences, ce qui peut parfois être désagréable dans des jeux tels Beat Saber où le son doit être vraiment calé sur l'action. Et pour tous les passionnés de son qui veulent renforcer l'aspect tactile sonore, vous pouvez aussi opter pour un subpack M2X qui va se porter sur vous et qui va vibrer en fonction des bases de vos jeux. Et c'est assez cool, mais c'est aussi assez cher puisque ça coûte à peu près 400€. Autre accessoire un peu gadget, mais qui pour moi est également indispensable si on veut bien présenter son casque chez soi et surtout le ranger à un endroit où on sait qu'on va toujours le retrouver et en bon état, c'est le petit socle. Voilà, posez votre socle sur votre bureau. Voilà, ce modèle-là, c'est le modèle A-Face si vous voulez le prendre. C'était le modèle destiné à l'Oculus Rift qui marche aussi très bien avec l'Oculus Quest et ça coûte à peu près moins de 40€ sur Amazon. Autre accessoire indispensable à tous les possesseurs de casques VR et qui malheureusement n'était pas livré dans mon Oculus Quest, donc je ne sais pas si vous en aurez chez vous, c'est le chiffon en microfibre qui va vous permettre de nettoyer vos lentilles. Et toujours dans le nettoyage de vos lentilles, je vous conseille les petites lingettes à destination normalement des lunettes, mais qui permettent de bien les nettoyer de façon tout à fait propre et surtout des lingettes adaptées aux optiques. Pour tous les démonstrateurs professionnels qui veulent faire des démonstrations de masse, je vous conseille de vous équiper de masques hygiéniques. Ça coûte moins de 40 centimes à l'unité sur Internet. Et il n'est pas encore sorti, mais il devrait y avoir une version Oculus Quest d'un VR cover, donc d'une protection qui est achetable sur un site externe sur Internet.
Pour ceux qui ont prévu de déplacer souvent leur Oculus Quest, je vous conseille de vous équiper d'un sac à dos adapté. Donc pour les sacs de protection, justement, vous avez le choix entre l'étui officiel Oculus Quest, qui a l'air parfaitement adapté à la taille de l'Oculus Quest, mais qui est quand même vendu autour de 45€ sur Oculus, donc c'est quand même pas super donné. Et sinon, vous avez des sacs à dos spécial réflexe, avec des compartiments adaptables, qui sont parfaitement adaptés à vos casques de réalité virtuelle généralement, et vous trouvez ça à moins de 30€ sur Amazon. Dernier accessoire, mais je ne l'ai pas encore, mais il me paraît plutôt cool et du coup je vous en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo puisque j'ai demandé à les avoir en test. Ce sont les Mammut Grip. Rien à voir avec la société d'assurance. C'est quoi? Ce sont des protections en fait qui vont venir se mettre au bout de vos Oculus Touch et qui vont permettre de les serrer comme des Valve Knuckle, comme vous voyez ici en fait, et donc de lâcher le touch dans la main. Bon là je le fais avec un Knuckle puisque j'ai pas le Mammut, mais je l'aurai prochainement, donc attendez peut-être mon test avant de les commander. Voilà, j'ai fait le tour d'horizon des accessoires que j'ai à peu près aujourd'hui en visibilité et qui pourraient vous être utiles. J'espère d'ailleurs que vous avez trouvé dans cette liste des choses qui vous ont intéressé. Je vous mets bien évidemment tous les liens vers ces accessoires dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, à très bientôt les amis !